Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo réaction au dernier titre en date, Twice avec Scientist. Oui, je sais, en ce moment vous avez beaucoup de vidéos par rapport à Twice, mais en ce moment je sais pas ce qui se passe, elles arrêtent pas. Elles en ont sorti 3 d'affilée là, laisse tomber. Du coup je me retrouve encore à faire une vidéo sur Twice. Voilà, donc écoutez, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous sentez maintenant qu'elle va vous plaire. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous pour me dire tout ce que vous voulez par rapport à tout et n'importe quoi. Voilà, et puis bah écoutez, nous on va tout de suite commencer cette vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, on est sur un truc de... C'est très rose, c'est très féminin. J'aime beaucoup toutes les références à l'univers scientifique. J'aime beaucoup les couplets. C'est quoi cette coiffure? J'aime beaucoup cette partie. Ces cheveux sont trop beaux. Je me suis oubliée comme si j'étais des professeurs. Des chercheurs. Bravo. Alors, pour cette chanson, on est sur quelque chose de très simple en termes mélodiques, mais j'aime beaucoup le concept. En fait, tout est clair et tout est connecté, tout est limpide et tout est logique. Et je trouve ça bien, en fait, ben, c'est le but, en fait, pour moi, entre un MV, une chanson, etc., c'est que tout soit... Enfin, que tout concorde dans la logique des choses, c'est un peu ce qu'on veut faire. Mais en fait, on est ici sur un MV qui fait très girly, hein, qui fait très fille, il y a beaucoup de rose, ou alors c'est du bleu, c'est des couleurs assez pastel, assez claires. Donc c'est assez frais, mais j'aime beaucoup tout cet univers autour de, bah, de la science, des chercheurs, etc. Bah, d'où le titre, hein, ça correspond au titre, j'ai envie de vous dire.
Qu'on retrouve à la fois dans le MV et à la fois dans la chanson, parce que dans le MV on a tous ces plans où elles sont comme si elles étaient dans un labo de chimie avec des bécherres, avec des fioles, avec tout ça, tout ça, tout ça. Y a même, et puis en fait j'aime trop les références dans la chanson aux scientifiques ou du vocabulaire spécifique à tout ce qui est maths, recherche, etc. Enfin, à plusieurs moments, on a le mot problème, cosinus, sinus, angle pour la géométrie. On a plusieurs références à Einstein. On a le mot recherche. Enfin, vous voyez, le vocabulaire utilisé dans la chanson fait énormément référence au côté scientifique, etc. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'en plus, ils arrivent à faire rimer. Mais ils arrivent à quand même garder, enfin, avoir cette, comment dire, ce concept. Mais on est toujours pour parler d'amour. C'est toujours une chanson qui parle d'amour. Et en fait, je trouve que. En fait, je trouve que ça va bien ensemble parce que c'est vrai. Enfin, en fait, le but de la chanson, c'est de dire que l'amour n'est pas, enfin, ne peut pas être résolu comme un problème, et qu'en fait, en amour, tout ce côté scientifique et réfléchi à chercher des solutions, à résoudre quelque chose, etc. Mais avec ce côté très, cet esprit très réfléchi, très scientifique, très les choses sont comme ça, comme ça, comme ça. Ben ici elles disent qu'en amour c'est pas possible parce que l'amour ne fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est vrai, elle parle de quelque chose de très vrai. Et en fait c'est un bon comeback, franchement. C'est une bonne chanson. C'est assez entraînant. Le MV est vraiment sympa. Il est agréable à regarder. Elles sont vraiment magnifiques. Les coiffures ici, genre, je les trouve trop trop belles. Et ouais, c'est une bonne chanson. C'est vraiment une bonne chanson. Donc je suis contente qu'elles aient fait quelque chose comme ça. C'est une chanson que je réécouterai probablement. Et puis ben voilà, j'ai pas vraiment grand-chose de plus à dire. C'était limpide, il n'y a pas eu de grands moments dans la chanson en particulier. J'ai trouvé que Mina avait pas mal de parties, donc ça, je suis plutôt contente parce que généralement, c'est vrai que je trouve qu'on l'entend pas trop trop. Donc là, je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression qu'on lui a donné un peu plus de parties. Mais voilà, il n'y a pas eu de grand die note, il n'y a pas eu de vraiment de tournant dans la chanson. C'était quelque chose de. Voilà, tout était très cohérent et resté sur la même vibe du début à la fin, donc voilà. Bah écoutez, voilà, c'était ma réaction à ce titre de Twice avec Scientist, donc j'espère que ça vous a plu. Maintenant que vous avez regardé la vidéo en entier, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez toujours pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de la chanson. Et puis, ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!